que se passe-t-il? Le bateau coule, on a déjà les pieds dans l'eau. Paul et Evelyne, ça continue? Ça casse même les vitres. Mais il faut parler à cette petite. C'est ça, occupez-vous d'Evelyne et moi je vais m'occuper de l'autre. Je vais le déshiberner. Paul, ne fais pas ça! Je lui dis tout. Vous le tuerez! Je lui dis tout. Non! Paul! Comment vous sentez-vous? Comment? Comment vous sentez-vous? Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp, je te tape. Comment vous sentez-vous? Bien? T'attaque? Allez, on y va. Allez, hop! Et maintenant, je vous dis tout. Non! La ferme! Vous vous croyez en 1900, hein? Eh bien non! Vous êtes en 1970! Paf! Et le pôle Nord, ça vous dit rien, le pôle Nord, le pôle Nord! Vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace! Et on vient de vous retrouver intact il y a deux mois! Hubert! La ferme! Vous n'avez pas 25 ans, vous avez 90 ans! Non, non! Et vous êtes le grand-père de votre mère, c'est-à-dire de ma femme! Et elle ne s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Edmé! Edmé! Elle s'appelle Edmé! 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 C'est Edmé! Edmé! Elle s'appelle Edmé! 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 Je voudrais avoir des choses à moi. Ce n'est pas fini! Ce n'est pas fini! Et vous foutez maintenant! Alors, au pôle Nord, vous n'avez jamais eu d'accident de cheval. Ah non? Jamais! Vous avez fait naufrage. Et face à la mort, vous vous êtes bourré de whisky et vous êtes tombé dans la glycérine. Ah alors, oui. Il ne restait plus qu'à trouver de la glace. Pour le whisky? Mais non! C'est grâce à la glace, au whisky et à la glycérine que vous êtes encore parmi nous. Ah bon? Mais ne trompez pas, gars, bon gars, s'il y a des... Non! Foutez-moi, Jean! Foutez-moi le camp, je vous supprime! Non, regardez pas là-haut, hein. Regardez ici. Il s'en est passé des choses en 65 ans. Il s'en est passé. La guerre de 14. Paf! La guerre de 40. Paf! La Matic, la Mazurka, c'est fini! Tout marche à l'électricité, même les guitares à l'électricité, tout ça. Ça va, vous? Hein? Ça va bien? Alors, non, regardez par ici. Les aéroplanes. À quelle vitesse croyez-vous qu'ils volent? Bon. 80 à l'heure? Mon pauvre petit, 2800 km à l'heure. Ils ont la forme de cigarette, sauf deux fois la vitesse du son. Vous arrivez à New York avant d'être parti de Paris, à cause des décalages horaires, évidemment. Évidemment. Finalement. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui. Ça doit dépenser beaucoup de pétrole. Mais c'est fini le pétrole, maintenant c'est le kérosène. En attendant le carburant atomique, il va venir, le carburant atomique, l'atome, les neutrons. Et maintenant on va sur la Lune. On va sur la Lune avec un insecte. Avec un insecte? Allez, un insecte module. L'insecte module, les hommes deviennent fous. Les hommes deviennent fous. Les hommes deviennent fous. Les hommes deviennent fous. Et moi, je sens que je veux devenir fou. Je lui ai tout dit. Quoi, vous avez fait ça? Je lui ai tout dit. Comment vous sentez-vous? Moi, ça va. Moi, ça va. Vous ne m'avez pas cru. Oh, si, si. Vous ne m'avez pas cru. Si, je vous ai cru. Je vous ai cru. J'ai 90 ans, je suis votre grand-père. Je reviens du pôle Nord et nous allons tous aller sur la Lune avec un insecte. Il ne m'a pas cru. La télévision. Non. Il va voir la télévision. Non, je ne veux pas que vous... T'approches pas, je te tape. Qu'est-ce que vous dites? Je tape, la clé. La clé. Il n'y a pas de clé. La clé. Mais elle est là! Donne-moi la clé! Non, je ne veux pas! Il faut la... Monsieur! Il faut vous reposer! Oui, c'est vrai! Il faut vous reposer! Monsieur!